600 personnes qui sont venues pour voir le documentaire ou si j'ai plus peur de mon père qui m'a vu l'enregistrer au restaurant un soir. Mais déjà, je tenais à vous remercier du fond du cœur de tous être là pour avoir vu cette aventure. C'est une aventure qu'on a vécue tous ensemble. Et voilà, le petit Inès dit quand j'avais 11 ans, jamais j'aurais pensé être devant tout. Avoir 100 abonnés, c'était mon rêve. Aujourd'hui, vous êtes plus de 8 millions à me suivre. Vous êtes tous là ce soir, tous réunis. Et c'est ça qui est bien aussi dans les aventures, c'est que ça nous permet de nous réunir, de passer des moments ensemble, de tous être soudés dans des moments. Et voilà, moi, depuis que je suis petit, sur les jeux vidéo, je me suis lancé des aventures et un jour, j'ai eu envie de les vivre dans la vraie vie. Et voilà, j'ai fait plein de défis. Aujourd'hui, je me suis lancé le projet de l'Everest il y a un an et jamais j'aurais pu penser que j'allais vivre tous ces bons moments. J'allais rencontrer des personnes magnifiques sur ma route. Et on se rend compte que c'est quand on se lance des aventures, qu'on se met en mouvement, qu'on apprend vraiment, qu'on grandit, qu'on devient meilleur. C'est ça aussi Kaizen, c'est devenir meilleur. Et chacun a son rythme, chacun a sa mesure, petit à petit. Et petit à petit, on peut faire des grandes choses. Si on y va doucement, à notre rythme, je suis convaincu que là, tous aujourd'hui, on a un rêve dans notre tête qui nous paraît impossible. On se dit c'est inaccessible, on peut pas le faire, mais tout est possible, faut juste y croire, faut essayer et faut pas écouter l'avis des gens, faut pas. Vous savez, on est dans un monde où c'est pessimiste, on retient souvent le négatif des choses et il faut s'entourer avec des bonnes personnes qui voient l'optimisme. Faut être optimiste dans la vie, faut ne pas avoir peur de se lancer des projets, pas avoir peur d'échouer parce que c'est dans l'échec qu'on apprend le plus souvent. Et de vous voir tous ensemble, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir parler avec vous ce soir. C'est un autre rêve qui se réalise aujourd'hui de pouvoir être avec vous. Voir mes parents aussi qui sont là ce soir et qui... Voilà, je leur dis pas souvent. Quand j'avais 11 ans, voilà, ma mère, elle m'a toujours soutenu depuis que je suis petit. Elle m'a toujours... Quand j'ai eu mon premier ordinateur, elle me le prêtait pour que je puisse jouer dessus, pour que je puisse faire des vidéos. Mon père, il comprenait pas trop. C'était compliqué au début. Lui, il voulait juste que j'ai tous de moyens à l'école et ils se sont battés les couilles du reste. Mais petit à petit, ce qui est beau dans une aventure, c'est que lui aussi, il a évolué. Moi, je sais que j'ai appris, je sais que j'ai évolué, mais lui partait de loin. C'était compliqué au début et aujourd'hui, c'est devenu une très bonne personne. C'est quelqu'un que... C'est un modèle pour moi aussi, mon père. Et je voulais lui remercier du fond du cœur ce soir. Merci maman aussi de toujours avoir cru en moi depuis le début. Merci à vous. Et voilà, gravir l'Everest, c'était pas simplement gravir l'Everest. On s'en fout du résultat final. Ce qu'il faut, c'est partir à l'aventure. C'est tous les moments que j'ai vécu, tous les sommets qu'on a montés, plus de 20 montagnes qu'on a faites avec à chaque fois des nouvelles personnes qui m'ont accompagné. Et je tiens à remercier quelqu'un qui m'a emmené avec moi dans son aventure, qui m'a fait découvrir qu'est-ce que c'était la montagne. Alors j'aimerais un tonnerre d'applaudissements pour Mathis. Mais il va venir. Merci Mathis, merci infiniment d'avoir. Je suis tout seul. Mathis, viens avec moi. Un peu de repos, s'il vous plaît. Ce gars-là, il m'a appris c'est quoi l'aventure. Il m'a appris c'est quoi de vivre. Il m'a appris aussi à sortir de ma zone de confort. Alors je le remercie du fond du cœur, Mathis, ce soir. Et s'il y a bien aussi quelqu'un qui m'a éveillé, qui m'a montré c'est quoi le dépassement de soi, c'est Idriss, mon coach. Depuis le début, il m'accompagne. Il a toujours été là, alors merci. Bien sur scène aussi, parce que c'est notre aventure. Vous savez, les plus grandes aventures ne se font jamais, seules. Les grandes aventures, elles se font jamais seules, elles se font toujours à plusieurs. Et ceux qui le disent, ils mentent, ils se mentent à eux-mêmes. On est toujours accompagnés, de près ou de loin, par quelqu'un. Et c'est pour ça qu'il y a encore plus de monde aussi qui m'ont accompagné. Je tenais à remercier du fond du cœur Basile, qui a réalisé ce projet avec moi. Merci infiniment. Merci
beaucoup, mon petit Basile, rejoins-nous. Merci à Samy qui a produit ce documentaire avec moi. Un maximum de bruit. Basile. Vous savez, les hommes de l'ombre, c'est eux qu'il faut féliciter. Parce que moi, je suis là. Merci Samy. À chaque fois, c'est moi qui prends les compliments. Mais il y a beaucoup de gens qui travaillent, il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'aventure avec moi. Alors ce soir, je compte sur vous pour leur faire un maximum de bruit. Et depuis que je suis sur YouTube, il y a aussi mon équipe qui m'accompagne. Je parle de Mathieu, mon bras droit, Thomas, Ferdinand et Pauline. Merci beaucoup parce que sans eux, jamais j'aurais pu vivre autre chose. Et ils ont vécu avec nous, alors faites-leur un tonnerre d'applaudissements encore. Parce que c'est eux qui vont applaudir ce soir. Merci mon frère. Encore. Et s'il y en avait un qui a lui aussi monté l'Everest, mais à travers un écran, c'est Quentin. Alors un maximum de bruit pour Quentin, pour ce qu'il a fait. Merci beaucoup Quentin. Un maximum de... Franchement, c'était 20 terras de giga. 20 terras de rush. Magnifique. Il y a aussi des magnifiques musiques, j'espère que vous avez aimé la composition musicale de ce film. Et je tiens à remercier Mim qui a tout composé. Merci beaucoup. Où es-tu Mim? Voilà. Ce qui est beau avec ce rêve, c'est que c'était pas un rêve. Merci. C'était pas un rêve seul. On l'a vécu à plusieurs, chacun en avait notre part. Dans ce rêve, chacun a vécu son rêve, on l'a vécu tous ensemble et c'est ça qui est beau. Et vous savez, il y a tellement de gens que j'aimerais remercier, ils étaient tous dans les génériques, il y en a tellement que ça prendrait 1000 ans, mais vous êtes plus de 150, 200 à m'accompagner de près ou de loin, désolé. Ça arrive, c'est pas facile. Et c'est ça que je remercie aussi, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'ombre, il faut les remercier. Et s'il y a bien aussi des personnes que, depuis que je suis petit, qui m'accompagnent, gratuitement, ils le font par pur plaisir. C'est mes abonnés parce que sans eux, jamais j'aurais fait tout ça. Alors merci. Merci à toi. C'est votre force qui m'a permis d'arriver jusqu'ici. Alors je vous remercie du plus profond de mon cœur. Et les ascensions dans l'Himalaya, c'est quelque chose de très compliqué. Et il y a des héros qu'on oublie et que j'aimerais pas oublier ce soir. Alors ils ont pris l'avion, ils sont venus juste pour vous. Faites un tonnerre d'applaudissements pour les Sherpas. Encore les amis. Quel plaisir de leur vivre. Ce moment aussi, car sans eux, jamais tout ça aurait pu voir le jour. Merci à tous, merci du fond du cœur. Et c'est tout. Merci beaucoup. Vous savez, c'est pas tous les jours facile de réaliser ses rêves. Je pense qu'il y en a beaucoup qui... My bro, thank you so much. Le goat. C'est pas toujours facile. Et des fois, faut mener un combat contre soi-même. Faut pas avoir peur de la peur. C'est cette force qui nous permet d'avancer. Il faut aller en avant. Il faut pas reculer. Faut pas écouter les autres. Faut pas écouter les pessimistes. Entourez-vous de personnes optimistes qui vous poussent vers le haut. D'amis. N'hésitez pas aussi à dire votre rêve aux autres. À ceux que vous aimez. Ils vous donneront la force de pouvoir continuer. En tout cas, voilà, aujourd'hui j'ai réalisé un deuxième rêve et je suis sûr que dans cette salle, on a tous un rêve en tête. Et j'espère que demain, dans une semaine, dans un an, dans deux ou trois, quatre ans ou cinq ans, on se retrouvera tous ensemble, une autre fois, pour se raconter toutes nos plus belles aventures. Merci beaucoup.